Attendez. Et re tout le monde! Alors, on va se croiser les doigts parce que là, c'est le moment où j'ouvre le jeu et que je sais si ça plante. Croisez-toi! Ça a l'air bon! Ça a l'air bon! Ça a l'air bon! Ça a l'air bon! Ok! Donc, on va reprendre après ce boss galère. Première question que je vois par contre dans le chat, Miss, tu feras Resident Evil. Ce serait possible de préciser ta question s'il te plaît parce que je suis déjà en train de faire Resident Evil. Donc, je serais portée à te répondre oui, mais juste pour être certaine. Ok. Donc, on peut reprendre le live. Ok. Donc, on a 12 balles pour la route. On a tout plein de balles de fusée à pompe et tout, alors qu'on n'a pas de fusée à pompe et tout. Ça, j'adore. Et là, j'ai pas trop écouté où on devait aller, donc du coup, on va aller voir la map. Ok, il faut retourner. D'accord, il faut retourner au hall bizarre là. Ok. Ok. On peut y aller par là. Je crois que oui. Faut aller sur le pont? Je sais plus. Je sais plus. C'est pas grave, on va bien le voir nous-mêmes. On va bien le voir nous-mêmes. D'ailleurs, Miss, j'ai ouï dire que tu comptais te faire tous les résidents, ne te presse pas trop, ils sont en train de ressortir les jeux en HD. En effet, je voulais tous les refaire. Sauf que j'ai peur. J'ai peur des anciens, parce que Resident Evil, c'est une saga qui a un peu marqué mon enfance. Quand j'étais jeune, mes parents m'ont traumatisée avec ça. Mais en même temps, j'étais un peu bête parce que je les regardais jouer dans le cadre de la porte cachée et j'avais peur. Bref, ça c'est une autre histoire, c'est l'histoire de ma vie, je suis débile. Et je sais plus c'est où la salle de transmission, je suis grave perdue. Et voilà. Donc j'ai un petit peu peur des anciens. Parce... Ouais, super, je viens de gaspiller de la vie, je me suis healée comme une débile. Regardez, là, il y a une arme. Ah mais j'ai pas ce qu'il faut pour la prendre. Là aussi, il y a une arme. Il y a plein d'armes là. Pourquoi je les ai pas? Et c'est pas là du tout que je voulais aller. Donc, je suis en train de faire les plus récents en premier. Donc, avec Billy d'ailleurs, Duanola, on a fait le 6 sur ma chaîne. Pont de promenade, je crois. On a fait le 6 sur ma chaîne. Le 5 va venir, un de ces 4. J'ai fait Resident Evil Revelation 2. Là, on fait le premier. Ensuite, il y aura le 4. Moi, je suis sûre que me connaissant, je vais les faire à l'inverse. Je vais les faire. A l'inverse. Donc oui, ça se pourrait que les HD aient le temps de sortir d'ici là. C'est sûr que je vais prioriser les HD parce que là je sais que le 0 est en cours. Et là je suis de retour là. Les gens, je suis perdue. Je parle trop. Ma porte bouée elle est où? Ok. Donc je sais que le 0 s'en vient en HD. Ce qui est pas trop, ce qui est pas trop mal, c'est un de mes préférés. Donc le 0 et le 1. Ensuite les 2, 3, je sais pas si j'aurai la patience. Où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais aller? Ah, il y a la loup qui est là? Oh, coucou la loup! Je suis perdue par cœur, est-ce que ça paraît? Je te guide n'importe où. Je te guide n'importe où, alors merci aux gens qui sont sur le live. Ça fait plaisir de vous voir avec moi, à me supporter, à m'aider alors que je suis complètement perdue. Quand j'étais jeune, mes parents m'ont traumatisé. Hashtag Miss chez le psy. C'est plutôt hashtag Miss qui fonce dans le mur. J'espère que le matériel de cette pièce va marcher. Ok, je crois que je suis dans la bonne direction, il parle. Les pressentiments ont tendance à se réaliser. Ok, donc je suis au bon endroit, il a parlé. Quand Jill parle, ça veut dire qu'on est au bon endroit. Alors, tu n'as pas ces armes parce que t'as pas accès. Mais je veux avoir accès, Black. S'il te plaît, donne-moi les accès. Hack mon jeu et donne-moi accès. Mais quand tu as fait Resident Evil Revelation 2, comme tu as dit, tu as obtenu la bonne ou la mauvaise fin? La bonne. J'ai eu la bonne fin. Parce que je suis quelqu'un de cool. Ok. Ah, là, j'ai une sauvegarde. Je trouve ça super joli ici. Par contre, là... En fait, et c'est tellement joli que je lag un petit peu dans cette pièce. Et avec la musique et tout, là, c'est classe. Ça me fait penser au Titanic. Ok. Donc là, on a ce qu'il faut. Ouais! Ça a été compliqué, mais on a ce qu'il faut. Ah ah, ça pète pas mal à l'envers, mais il n'y a que le 0. Il y a aussi le 2 qui arrive en HD.
Ah, le 2 aussi. Ah, je savais pas pour le 2. Et j'ai encore oublié de rentrer dans la porte parce que je regardais le petit chat. Mais il y a le 1 aussi qui a été refait, Black Star. Le 1 a été refait il y a quelques années déjà. Cinématique. Raymond. On arrive tous les deux trop tard. De quoi est-ce que tu parles ? Créatures ignorantes qui ne nous connaissaient pas encore. Vous deux. Le temps de la parole est venu. Regardez. Tu veux que je renouvelle la couleur désespérée qui, seulement d'y penser, oppresse le cœur. Notre cher ami au masque. Mais si mes paroles doivent être une semence d'où sortira l'infamie pour le traître que je ronge, tu me verras pleurer et parler tout ensemble. Je ne sais qui tu es, ni comment tu es venu ici-bas. Le monde est entre nos mains. Voici le virus T-Abyss. Nous sommes équipés pour contaminer un cinquième des eaux de la planète. Des profondeurs de l'enfer. Alors voilà le coupable. Je savais que c'était Veltron. Vous qui entrez, laissez toute espérance. Laissez toute espérance. Il s'y tente. Envoyez une équipe à Baikonen Moki. Il faut retrouver ce bateau, Brian. Oui, bien reçu. Je vais envoyer Quint et Kiss. Quoi ? Vous deux, préparez-vous à décoller. Déteste la neige. C'est la neige qui te déteste. Ramenez tout ce que vous trouverez sur Veltron. Je n'y vois rien. Je croyais que la Méditerranée ressemblait à un gros lac. Sois patiente. Un bateau en pleine mer, c'est comme une aiguille dans une botte de foin. Sans blague. Mais ça ne résout toujours pas notre problème. Dis, tu m'écoutes au moins ? On va te retrouver, Jill. Je te le promets. Ok. Moi et le mec chauve à la tasse de café, on est fait pour s'entendre. Il aime pas la neige, j'aime pas la neige, c'est cool. Par contre, on en parle de l'habit de Jessica. Je veux dire, tu pars en mission, meuf, pas dans un club de striptease, habille-toi minimum, femme. Bref, on a terminé le chapitre 3. Ça, c'est cool, on a terminé en 1h12. C'est pas mal, je crois. Je sais pas. Je sais pas. On a terminé avec la note A, par contre, un petit peu moins bon que tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Et sans plus tarder, mais nous allons... continuez. Dans les épisodes précédents de Resident Evil Révélation. Raymond ? C'est toi, pas vrai ? Ça fait mal, gamin ? Non, je peux encore me battre. Apprends vite. Je suppose que vous avez tout prévu, mais je doute fort que le FPC arrive à couvrir ses arrières sur ce coup. La justice divine va purifier la terre. Comme pour Raccoon City. Le Terra Grigia disparaît. On arrive tous les deux trop tard. Vous deux, regardez. Vous qui entrez, laissez toute espérance. Laissez toute espérance. Il s'y tente. On va te retrouver, Jill. Je te promets. Épisode 4, un cauchemar revisité. Nous sommes Veltron, les messagers vengeurs des profondeurs de l'enfer. Foutu terre
déjà tué ces salauds. Vous en avez raté quelques-uns. Et ils sont ici. Et maintenant, ils veulent se servir du virus pour lancer une nouvelle attaque. Ils veulent la vérité sur Terra Grigia. Et la vengeance. Ok, Jill, donc... regarde ça. Le courant est coupé sur tout le bateau. Le courant est coupé sur tout le bateau. Le système électrique de secours alimente le bateau. Mais les transmissions dépendent du courant principal. On doit relancer la salle des machines. Mais ça va pas être facile. Vous voyez, ils ont fait un genre de plugin mumble avec... Oh putain, je vais éternuer. Attendez. Anana. Ok, ça va. Ok. Procédure d'urgence. Ce navire ayant déjà été impliqué dans un accident, des principes de sécurité ont été ajoutés au code de sécurité maritime. Tous les membres d'équipage doivent lire et étudier ce manuel afin de connaître la procédure en cas d'urgence. Le Queen Zenobia est équipé de deux groupes électrogènes indépendants. Si le groupe électrogène principal tombe en panne, le groupe de secours situé dans la cale prendra le relais et alimentera le navire en courant. Ce navire est équipé de cloisons verticales et horizontales qui redirigent automatiquement l'eau en cas de voie d'eau. En cas d'urgence, les cloisons peuvent être contrôlées par le système de contrôle de la cale. Ce système sera toujours opérationnel même après de légers dégâts. Ok, c'est superbe rassurant. Juste pour la fun, tu as vu le spectacle de Rock et Belles Oreilles? Non, pas du tout. Pas du tout, je vais avouer que c'est pas quelque chose... un groupe... on peut appeler ça un groupe, ouais. C'est pas des humoristes qui me plaisent tant que ça. Donc je ne regarde pas. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais aller ici. Je dois aller où, là? J'ai pas de... J'écoutais pas ce qu'il faut que je fasse. Les gens, faut que je fasse quoi? J'ai pas écouté. Parce que je suis une méchante personne qui écoute jamais quand on lui parle. Je crois que Lee a des soucis dans le chat. Il a perdu sa tête. Et il a retrouvé. Ah! Aide-moi! Qu'est-ce que je dois faire? Vous en aurez besoin. Effectivement, ça ne sera pas facile de remettre le courant. Merci. Clé encre en fer. Cette clé vous permettra d'accéder au casino. Ah yes, on va aller jouer. Un ascenseur vous emmènera dans la cale. Dites-moi quelque chose. Vous n'avez pas vu d'autres membres du FBC dans les barrages? Je n'arrive pas à joindre Rachel, ma partenaire. Bon sang. Elle est morte, non? Je n'ai plus de nouvelles depuis qu'elle est descendue dans la cale. Rachel, c'est pas la blonde, là, du début? Qui s'est fait bouffer devant notre visage? Je vous l'ai dit, l'entrée du casino est dans le hall du premier étage. Eh, hey, tu te calmes direct, le roux, hein? Sinon, je vais te taper, hein, j'ai un couteau. Tu vois, ça, là? Bah, tu t'en serviras plus. Voilà, méchant roux. C'est tout ce que tu méritais. Bon, ça, on n'en a pas d'autres, on peut pas en s'occuper. Miss vient de me tuer, bon, j'ai achevé Oli. Je suis désolée. On devrait peut-être chercher Rachel. Non, Rachel, elle est morte. Mais seulement une fois qu'on aura rétabli le courant. Rachel, suis je sûre que c'est la blonde de tout à l'heure? Bon, moi j'allais pas du tout dans la bonne direction. Merci au point jaune qui vient de se mettre. Bon. Casino, casino. Quelqu'un a de l'argent? On va s'amuser. Faites-t-être donc pour qu'on aille jouer au casino. Ce serait trop cool. Le roux a fait fuir des gens. Le roux fait fuir tout le monde. Le roux fait fuir... totalement tout le monde parce qu'il est con. Voilà. Ok. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et moi je tourne dans le sens inverse. En fait, j'arrive même pas à tourner correctement. Waouh. Il fait noir ici. En même temps, il n'y a plus de courant. Mais moi je voulais. Oh non. Ça m'est déjà arrivé dans un centre commercial, les gens. J'étais à la fin et là, les escalators ont arrêté. Et là, je suis passée toute la nuit dans le centre commercial jusqu'au lendemain matin, jusqu'à ce qu'ils les remettent en marche. C'était vraiment la pire expérience de ma vie. Putain. Ok. Le courant est coupé. Et là, il y a des poissons qui vont devenir cannibales bientôt. Qui vont devenir mutants. Ah, un autre emblème. Ouais, mais arrête de me montrer ça, on l'a vu. Elle est morte. Si, si, c'est elle, mais je me disais bien que la blonde, c'était elle. Oh merde, on peut même pas jouer parce qu'il n'y a pas de courant. Injustice, injustice, on veut jouer, on veut jouer, on veut perdre l'argent, on veut devenir dépendant, on veut vendre le roux,
on veut le perdre au jeu. Ouais, ma vie, elle est vraiment passionnante. Hein. Ma vie est passionnante. Bonne nuit à ceux qui vont dormir. Bonne soirée à ceux qui vont pas dormir. Rapport du personnel du casino. J'ai enfin trouvé comment déjouer la sécurité de la salle VIP. Cette pièce est réservée aux plus gros joueurs. Donc ça veut dire que Parker peut y aller. J'ai toujours voulu savoir ce qui s'y passait. C'est très facile, il suffit de donner des pièces à la fille à côté de la porte pour désactiver la sécurité. Il faut mettre le bon poids, 107 grammes. Ce n'est pas cher payé pour entrer dans la salle VIP. 107 grammes de pièces, hein. 107 grammes de coke, ça fait pareil, non? Comment ça, non? Cool, je peux maintenant porter plus de balles de pistolet. Ça, c'est la classe. Ok. La porte qui met 600 ans à s'ouvrir. Attention, Screamer. Et ta Phoenix, t'es sérieuse? Tu t'es fait enfermer dans un centre commercial? Bien sûr que non, je ne suis pas sérieuse. Je sais que des escaliers roulants, je peux les monter même si elles ne fonctionnent pas. C'était une blague. Je suis quelqu'un de comique. Oh, fait, j'essaye. Ok, donc c'est elle la femme. Je dois te donner de l'argent. Va falloir mettre des jetons ici. Ok. Et là, je suppose qu'il y a un seul jeton et il se trouve là-dedans. Et que la fille, elle est trop conne pour se mettre debout sur le bord pour aller le chercher. Parce qu'on s'entend quand... qu'elle pourrait le faire, quoi. Ça me sert à quoi d'être ici? Ah, il y a une porte là. Ok. Ça ne s'ouvre pas. Ça me sert à quoi d'être au casino s'il n'y a rien que je peux faire? Attendez, j'ai un autre point rouge qui s'est... jaune qui s'est mis là-bas. Il faut que je retourne sur mes pas. Ça y est, Miss est dans le game, elle dépense tout son argent au casino. En écoutant du dubstep. Je connais pas le dernier groupe, mais oui, je dépense tout mon argent au casino. Attendez, il est où mon point là? On va juste regarder où est-ce que je dois aller. Je dois aller dans la cale, c'est ça? Je peux pas me faire un chemin. Je dois aller dans le monde change. Et comment j'y vais? Attendez. Bon, j'ai eu la... Putain, j'ai glitch dans la porte. Vous avez rien vu. En fait, ce qu'elle dit pas, c'est que c'est l'argent des abonnés. Exactement, c'est pour ça que je demandais des dons pour jouer au casino. Pour utiliser l'argent des abonnés. Désolée s'il y a des roues, c'est pas méchant. Non, en effet, c'est pas méchant, c'est qu'on est roussi. C'est... Mais vous inquiétez pas, ça se soigne à skip. Regarde, ça dit qu'il y a une arme ici. Où ça? Donnez-moi mon arme. Bon, les gens là, je dois vous avouer, je sais pas du tout quoi faire. Parce qu'on dirait que la seule façon d'aller au monde charge... Ah non, attendez, il y a ça là-bas. Je suis déjà allée là. Si c'est rouge, blanc, c'est que je suis déjà allée. Je comprends rien à ma vie. Je ne comprends rien à ma vie. Où faut aller là? Et là, on apprend que Miss est rouge. Non, je ne le suis plus. Je ne le suis plus. Et ça me dit qu'il y a une arme ici. Je veux cette arme. Donne-moi cette arme, Parker. Oh là là, quel susceptible. Ok. Donc là, on va remonter, mais je sais vraiment pas ce qu'il faut faire. On va essayer d'aller dans l'autre partie du... du navire, là. Mais... Putain, on va avoir passé la première partie du live avec le boss. À courir partout, à essayer de tuer le boss. On va passer la deuxième partie complètement perdue, essayer de trouver ce qu'il faut faire. Putain, on est vraiment cool. Ok. J'ai raté ça moi tout à l'heure. Ça m'aurait peut-être aidé contre le boss. C'est pas grave. On va aller dans la promenade. Je sais pas, j'ai envie d'aller dans la promenade. Ah les gens, ça parle que de roues dans le chat. Aidez-moi, je suis perdue. Je veux dire, si je suis perdue dans les bois et que tu viens me parler de roues, je serais vraiment pas contente. Hein. Donc là, c'est la même chose. Non, je rigole, bien sûr. Vous pouvez parler de roues si ça vous fait plaisir. Pourquoi je suis allée là? Et là, ça me mène où? Et pourquoi la boîte que j'ai cassée tout à l'heure est de retour? Ok, là, je suis là. Et là aussi, ils me disent qu'il y a une arme.
Il est où là? Attendez. Je suis totalement perdue. Porte fermée. Est-ce qu'il y a des portes fermées justement? Porte ouverte. Cabine inférieure. La proue. Pont latéral. Le monde charge. C'est là qu'on doit aller. Je sais pas par où y aller. Attendez, par où qu'on va? Là, on est où? Je sais même pas où se prenait. Il y a un truc qui clignote là-bas. C'est moi ou il y a des éléments qui se sont rajoutés? Super, des balles. Ah non, j'ai manqué de place. Putain, t'étais pas là toi tout à l'heure, donc ferme ta gueule. Tu me fais pas peur, je suis occupée à regarder ma carte. Essayer de comprendre où je dois aller. Regardez, ils disent qu'il y a une arme genre là. Non. Ah, c'est de l'autre côté. D'accord, je peux pas l'ouvrir. Il y a beaucoup trop de peuple ici. J'ai pas aimé ça, mais c'est pas là qu'on doit aller. Ah, cool, on va utiliser ça. De toute façon, on en a eu un. Un chargeur long. Ah, ouais. Bon, ça va aider, mais... Voilà. Taux de chargement. Donc on recharge plus vite. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ok, s'ils ont rajouté des ennemis ici, c'est que d'une certaine façon, c'est par là que je dois aller, non? Allez, essayons d'être positifs. Arrêtons de tourner en rond. Un skip, c'est pas la bonne chose. Je suis perdue. Complètement perdue. Je suis de retour ici. C'est pas là que je voulais aller. Bon. En plus, la carte, elle est tellement pas claire, ça m'énerve. Là, je suis là. Si je vais là, ça me permet d'aller là. Ok, on est tous d'accord. Sauf que moi, c'est pas là que je vais aller. Si je prends l'autre ascenseur qui se trouve au bout, ça me permet de monter ici, qui me permet d'aller là. Sauf que nous, où on va aller, c'est... Pikachu, on m'a fait peur. On a reçu un don de Antoine Saint-Arnaud qui nous dit « Je te fais un petit don juste pour le plaisir parce que tu es la plus forte. J'aime bien ce que tu fais et comme on dit, tu fais une bonne job. Hashtag Miss la plus forte. » Merci à toi Antoine, ça fait plaisir. Alors j'aimerais bien dire Miss la plus forte, mais en ce moment j'ai l'air extrêmement nulle étant donné que je suis perdue. Comme pas possible. Je peux pas me mettre un point de « c'est là que je vais aller » et « guide-moi vers là ». On n'est plus que 49, ça veut dire qu'il y avait 11 roues. Ah là là! Mais comment je fais pour retourner là? Parce que je vois pas de chemin qui m'y mène. Mais regardez, j'ai pas le choix. On va aller prendre l'autre ascenseur de l'autre côté. Et on verra. Bon, au moins dans le chat, ça a pas l'air de trop les déranger que je sois perdue. Ils continuent leur discussion au calme sur les roues. Donc ça va. Donc je peux me permettre d'être perdu pour les 30 prochaines minutes, ça va gêner personne. Ça c'est superbe. J'ai la meilleure communauté du monde. Je me permets de faire ce que je veux. Aïe! Me fais pas mal s'il te plaît. Non, ça je peux plus y aller. Putain, pourquoi il y a plein de peuples? Lâche-moi! Avec ton pénis là. Ok, merci. Ok, ça c'est bon. Ah, ils ont complètement défoncé ma porte. C'est super gentil, vous. Ok, ça ici, on a ouvert cette porte, mais au final, ça nous a servi à rien. Donc peut-être que là, ça va nous servir à quelque chose. Ok, on peut aller sur l'ascenseur, et là, on doit aller où? Là, c'est quoi les choix qu'on m'offre? Le pont ou la proue? On va regarder la carte. Le pont ou la proue? Ah ben, ça sert complètement à rien. Je veux pas aller là. Purée. Le pont de promenade, la cafétéria. Ouais. Ok, je crois qu'on va... On va retourner là. Ouais, cool, on fait des allers-retours. J'aime vraiment ça. Bonjour. Au revoir. Ça fait un plaisir.
Finalement, je crois que je préfère les jeux qui sont linéaires ou avec une carte plus claire. Pourquoi t'as un fusil à pompe, toi, et pas moi? Pourquoi tu me tapes et pas moi? Il y a de l'injustice dans ce monde. Et là, il y a Parker qui prend grave cher et moi, j'en ai rien à battre. Je continue mon cours. Miss Takapa est blonde. Ah, toi là, Billy, va te faire par une vache en chaleur, s'il te plaît. Oui, tranquille, au cam de Miss. Bon, d'accord, donc ça veut dire que je peux me perdre. Super, j'ai des super abonnés quand même. Tu verras, tu accéderas à la suite. Mais comment? Et puis, on n'est pas perdu, on visite parce que c'est joli, comme dirait mon père. C'est vrai que c'est très joli, donc visitons. Visitons l'endroit. Bah, essaye la proue. Ah non, trop tard, je suis reparti. Il n'y avait rien d'intéressant dans la proue. Je veux retourner dans le hall, là. Dans le hall... Pas lui. Quel hall? L'autre hall, là. Attendez. Si je prends la porte de derrière, c'est le casino, non? Ouais, non, moi, je veux pas aller au casino. Je comprends même pas pourquoi ils m'ont donné la clé du casino et m'a servi strictement à rien. Peut-être qu'au final, j'ai juste manqué un truc dans le casino aussi. Hein. Je suis le genre de personne qui va tourner en rond pendant 3 heures pour un truc inutile. Hein. Ça me mène où? Non, ça, c'est pas là qu'on va aller. Ça, on le sait, y a rien. On va aller totalement en face. Elle est repartie avec la vache en chaleur. On aime bien les vaches, les amis. La cafétéria. On va aller manger parce que là j'ai faim. Donc on va se rendre à la cafétéria. Et on va prendre une gorgée de limonade pendant que l'ascenseur roule. Voilà, gorgée de limonade prise. Regardez là, il y a deux portes qui sont encore rouges. Donc peut-être qu'avec un petit peu de chance, mais pas beaucoup, vraiment juste un petit peu de chance, on va pouvoir y aller. Regardez! Ouais! Super, pour se refaire un stock de balles. J'ai eu des munitions de magnum, ça veut dire que je vais avoir un magnum, un C4. C'est vrai qu'il faudrait que je repense à scanner un petit peu, hein. Je le fais plus assez. Bah voyons. Où est l'objet dans cette pièce? Où se trouve l'objet de la pièce? Ah, purée, il est là. Il était bien caché, hein. Ah, cool, kit de personnalisation. On va pas cracher dessus. On va aller voir la porte en haut. Elle est en haut ou elle est sur le côté? Il faut que j'aille là. On va voir si on peut ouvrir cette porte. Sauf que ça serait bien qu'on ouvre des portes qui nous donnent des trucs. Ah non, ça on peut pas. Ça, il faut une carte. Bon. Donc, ici, un jour je vais arrêter de me tromper de touche. Donc là, on a ouvert la porte qu'on pouvait. Donc, ça veut dire qu'on est cool. Donc comment on monte sur les cabines supérieures? Ah, il y a l'air d'avoir un ascenseur au bout là-bas. On va essayer de s'y rendre. Attendez, il est où l'ascenseur? Ok, je dois passer ça. Ah oui, on est remonté par là tout à l'heure. D'accord, je me souviens. Y'a rien à scanner ici? Non, ok. Rien à scanner ici? Non, ça on l'a déjà fait. Ça va, on commence un petit peu à s'en sortir. Un ascenseur roule, Miss 2015. Non, mais je parlais pas de l'ascenseur, je parlais du... Je me souviens plus du terme là. Le truc sur la porte qui tourne. Oh là là, y en a qui comprennent pas. Je rigole. Prends un magnum au chocolat au lait. Oh mon dieu, oui, ça serait trop bon. Oh non, t'as pas le droit de nous dire de prendre ça. Ah non, mais ici, y a pas de courant. Si. Ah bon, bah oui. Ok. On va aller où, là? On va aller aux cabines de haut. Bon, on commence un petit peu à bouger, là. Bah, en fait, à bouger. On retourne dans les places où on est déjà allé. Mais c'est pas grave, on aime ça. Et on peut aller là. Superbe, une chambre. À quoi ça nous sert? Bah, strictement à rien pour l'instant. Oh! D'accord, ça nous sert à ça!
Bon, on va pas se plaindre, hein. Je me suis pas plainte du tout que ça me servait à rien de venir ici. Ok, un beau livre. Mots trouvés dans la chambre 303. Mais qu'est-ce qui se passe? Des monstres ont envahi le bateau et sont en train de tout détruire. Je n'ai jamais vu d'êtres semblables. Ils se déplacent avec raideur, mais quand ils vous attrapent, c'est la fin. Ces enfoirés ont mangé mon ami Hassan, les ordures. Je leur ai tiré dessus, ça m'a fait gagner du temps et j'ai pu m'échapper. La balle a traversé le bras de l'un d'eux. Ces monstres ont les os aussi fragiles que du verre. Je ne peux plus m'enfuir maintenant, ces créatures ont bousillé ma jambe, bon sang, et je suis à court de balles. Dieu seul sait comment je vais pouvoir m'en sortir. Ben Dieu, il te dit, je t'emmerde. Ok, donc tout ça pour ça? Je trouve ça hyper pratique ce qu'on fait. Je trouve ça vraiment hyper pratique. Et là, l'autre option qu'on avait, c'était d'aller sur le pont, je crois. Sur le pont, on peut rien faire. Putain, ça m'énerve! Dans le casino, regardez, il y a une place pour aller en bas vers le casino. Mais j'ai la porte fermée, j'ai pas la clé. Et là, je dois me rendre où? Ah, regardez, je dois aller là, là. Là, il y a une porte avec l'encre. Comment on va là? Ah oui, c'est ce que je cherche depuis tout à l'heure, en fait. C'est pas le début, ça? Comment on retourne au début? Il faut aller... Ah, purée, je sais plus. Pont des quartiers, parce que je vois pas d'ascenseur, rien qui me mène là. Hein. Mais je sais que je suis déjà allée. Attends. Là, on va aller... je sais pas. Je sais pas. On va prendre l'ascenseur, on va monter. On va aller sur le pont, même si ça sert strictement à rien. Oh non, on peut... Merde, j'ai choisi Capine du bas. Le pont, voilà. Ça c'est pareil, j'ai jamais compris d'où les mecs ont le réflexe d'écrire des trucs entre deux crises de panique et de survie. Oui, je suis d'accord. Les mecs ont un temps fou à perdre, ils se fichent de leur vie, il faut écrire un journal pour les prochains. Oh, j'entends des gens. Ne paniquez pas, il y a quelqu'un ici. Je suis fière de vous, vous avez pas paniqué. Vous êtes des bonnes personnes. Ok, c'est presque ici que je voulais aller. Et là, on va descendre. Bon. Non. Je sais plus. Oh purée, ça m'énerve. Je suis partie. Je suis perdue. Alors, rebonjour à Ange Noir qui rejoint le live une nouvelle fois. Quand on est arrivé dans cette pièce la première fois, on est arrivé par cette porte. Donc ça veut dire qu'on est arrivé par l'ascenseur. Donc ce qui veut dire que il faut passer par l'ascenseur pour essayer de retourner au truc du départ. Mais non, on peut pas y retourner. On a été kidnappé. Ah oui. On s'est trouvé dans cette place. Et on a été kidnappé par je sais plus trop qui là. On a été endormi, on a été transporté dans l'autre aile du bateau. Donc on peut pas y retourner nous-mêmes. Donc du coup on fait quoi? Essaye la proue. Ouais d'accord. On va aller essayer la proue. On va aller essayer la proue là. Parce que je suis grave perdue. J'étais super contente tout à l'heure quand on a trouvé cette pièce. Je me suis dit enfin on va pouvoir se sortir de là. Mais pas du tout. C'était de l'arnaque. Un combat rapproché et une salve 1. Ça me sert à quoi? Tire 2 coups consécutifs à... Ah non, ça j'aime pas ça. Votre puissance de tir augmente quand vous êtes à moins de 4 mètres de la cible. Ça s'en servira pas tout de suite, je crois. Notre fusil, il est bien comme ça. On va s'en servir sur autre chose. Et là, c'est pas par là que je veux aller. C'est par ici. Ok. Quelqu'un sait si Oli est toujours dans le placard? Je sais pas si Oli a fait son coming out ou pas. Moi, par contre, il me l'a pas dit. Donc peut-être qu'il est toujours dans le placard. Bonjour! Mais lui, par contre, il est sorti du placard et il aurait dû y rester. La preuve que des fois, c'est toujours mieux d'y rester. Ah, mais il y a une autre porte, là. Mais je peux pas y aller, c'est la porte avec la carte. Ouais, ok. Putain, il était temps, après 1h30, que je comprenne. On n'aura vraiment rien fait dans cette partie. C'est horrible.
c'est vraiment horrible, je suis désolée les gens. Mais ça m'a pris une demi-heure avant que je comprenne pourquoi je ne peux pas retourner à cette place. Bon, l'ascenseur elle prend du temps à tourner là. Ok. On est de retour dans la pièce, donc on m'a dit d'essayer la proue, parce que dans le casino, on est clair, on peut rien faire. Peut-être que le roux, là, il est encore là, le roux, il va peut-être nous dire un truc. Peut-être que ça, on lui dit qu'on n'a rien à faire dans le casino, aide-nous. Ah non, il est parti. Ok, donc la proue. Attends. Ouais, c'est par là. Promenade. Là, je me fie vraiment sur vous, hein, les amis, parce que je sais pas du tout où aller. Hein. On me dit la proue, je vais à la proue. Si c'est pas ça, faut pas me blâmer. Hein. Faut pas me blâmer du tout. Hein. Allez, on prend une petite gorgée de limonade au calme. On se détend. Ok, donc là, faut traverser la porte avec tous les monstres. C'est pas grave, on n'a pas peur, on a Parker avec nous. Parker, il assure. Ok. Ah cool, on peut prendre le raccourci. Raccourci. Regarde, il n'y a plus de monstres alors que tout à l'heure, il y avait plein de monstres. Ça, c'est un autre truc qui est bizarre dans cette pièce. Ah, oh, salut. Non, mais c'est pas parce que je me plaignais que t'étais pas là qu'il fallait que t'apparaisses. Hein. J'ai pas nécessairement besoin de toi pour être heureuse. Hein. Parker me comble totalement. Pikachu. 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 Nous avons reçu un don de Anjane Noire qui dit « Je suis de retour, je regarde ton live jusqu'à la fin. » des bisous, pour te faire plaisir, un petit don pour toi et pour Mika, donc merci à toi Ange Noir pour ton don, ça fait plaisir. Et là, on m'a dit la proue, donc on va à la proue. Chez Laura, c'est l'Halloween toute l'année. What? Pourquoi tu dis ça? Ok. Wow, j'aime pas cette pièce. Il y a des balles de pistolet partout. Mais je peux pas sortir ici. Ouais. Il y a de l'herbe. Ça, je peux rien faire. Vecteur avec une carte. Ok, donc la proue, c'était pour me rééquiper. Bah super, mais écoute, je vais pas me plaindre. Je suis super équipée maintenant. Et bah, y a rien d'autre que je peux faire. Hein. Là, ça va me dire que c'est verrouillé. C'est normal, j'ai pas la carte. C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte, c'est la carte, c'est la carte. Donc mon voyage à la proue était super passionnant. Vraiment, j'ai adoré. Bon ben, on va aller sur le pont de promenade. Non, non, c'est pas là que je vais aller. C'est de là qu'on arrive, on va aller sur le pont. Ouais, de là on arrive. On va aller sur le pont. Parce que nous on aime ça les pompons. Ok, donc le pompon c'est ici. Bon, ben les amis, je vous annonce que... Je sais pas quoi faire. Ça veut le savoir. Est-ce qu'on a raté un truc? Genre sur lui là. Non, il est avec des... Oui, tout le monde a des cartouches de fusée à pompe dans son ventre. C'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. Bon, les amis, on a fait le tour. Et je sais pas du tout qu'est-ce qu'on a raté. Et oui, en effet, Bledina, je confirme, je ne comprends plus du tout ce qui se passe sur le chat. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tant que vous vous amusez, écoutez, bah, tant mieux. Bon. En même temps, faut bien que vous vous occupiez comme vous pouvez. Hein. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est toi là. On va. Mais je sais pas. Hein. Parce que même si je retourne au casino, même si je tue tous les poissons, je peux rien faire. Donc là, j'ai vraiment besoin de vous, les gens. Parce que là, je sais pas quoi faire. Il me semble que j'ai fait tout le tour. Putain, il m'a refait peur lui, alors que ça fait 15 fois que je passe devant. Ça, on a tout exploré ça au dernier épisode. Ça, cet ascenseur me permet d'aller où déjà? Il y a Blackstar qui dit je vais me refaire le chapitre en speed pour savoir où faut aller.
Merci à toi. Ok, mais ici on a vraiment tout visité. Regardez, tout est bleu. Si je me fais à la carte, la seule place c'est... Ah, là-bas, ils me disent que j'ai une porte déverrouillée. Où ça? Plus loin? En plus, ça je l'ai déjà dit, je me répète, parce que je suis quelqu'un qui aime se répéter dans la vie. Comme ça, je me sens importante et j'ai l'impression que les gens ont vraiment quelque chose à foutre de ce que je dis. Mais en fait, vu que je me souviens même plus ce que je veux dire à cause que j'ai trop déconné. Non, je veux pas aller te voir. What? Mais t'étais pas là, toi, il y a 30 secondes. Dégage, toi. J'aime pas ton face. Ah, c'est ça ici qu'on me met sur... C'est ça, hein? Non, c'est pas ça. Pourquoi t'as ça et pas moi? Je veux dire, je devrais être la priorité dans le jeu. C'est moi la joueuse et j'ai encore un pistolet de mongol. Ouais, moi j'aime ça, scanner les gens debout. Boum! Ok. Oh, je vais aller... Mais c'est où ce truc? C'est dans ce couloir. Ils me disent que dans ce couloir, il y a une porte déverrouillée. Non. What? Ah non, mais je bouge pas en fait. C'est trop bizarre comment c'est fait. C'est trop bizarre. Faut rétablir le courant. T'as pas souvenir d'où il y a des générateurs, mais faut aller dans la cale. On m'a parlé du casino, mais je peux pas accéder au casino. Ici, il y a quoi? Ça ici, ça me permet seulement de retourner au hall. Ah, dégage, toi. Dégage! Tu m'as saoulé! Suce le sang qu'il y a au sol et laisse-moi tranquille. Ça, on est allé tout à l'heure. Je sais plus. Ah! Oui, ça, on est en haut du truc. On est déjà allé. La chaîne de Miss est à 99 abonnés, plus qu'un. Bon, les gens, il faut aider Miss. Oui, je suis d'accord avec Laura. Aidez-moi, je suis perdue. Est-ce qu'il se passe rien de passionnant dans cette pièce? Je peux retourner dans le casino, parce qu'on m'a quand même donné la clé du casino. Je suis sûre qu'il manque un truc dans le casino. Et là, vous allez m'en vouloir, et je vais moi tout m'en vouloir aussi, parce que... Bah, le live tira à sa fin, on n'aura rien fait cette deuxième partie. Mais... Quand je dis rien, c'est rien du tout, hein, mais rien en une heure. Je pense que tu devrais descendre à la cale, Miss. Oui, mais c'est ce que j'essaie de faire, en fait. Mais je sais pas par où passer. Miss, il faudrait descendre à la cale. Oui, d'accord. La cale, elle est où, la cale? J'ai pas de truc qui s'appelle la cale. Et là, ils disent qu'il y a une arme ici. Pikapi, Pikachu. Allez, un petit Pikapi, Pikachu. Petit coucou pour les modos qui travaillent très bien, Oli et Laura, les meilleurs. Cœur, 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 aimez les cœurs, s'il vous plaît, de Ange Noir une nouvelle fois. Donc merci à toi pour ton don. On va retourner au casino, écoutez. Faut aller au casino. Mais j'y étais. Oh, je suis sûre, j'ai raté le truc dans le casino. Donc depuis le début, je tourne en rond alors que la solution était sous nos yeux, j'en suis certaine. Ok. Voilà. Ouais. Pacte une de tes amis, Oli. Pourquoi vous êtes méchant avec Oli? Est-ce qu'il fallait tirer sur un truc ou je sais pas? Est-ce que j'ai oublié de scanner? Il y a un truc pour remettre le courant dans le casino? Il y a un truc dans le casino. D'accord. Attendez. C'est certainement pas une machine. Comment je remets le courant? Il y a une main là. Empreinte trouvée. Cool, ça m'a donné un succès. Je me sens douée tout à coup. Ça, c'est pour me donner du change.
Mais faut aller au casino, rétablir le courant du canido, faire l'énergie de la fontaine. Donc je dois rétablir le courant du casino. Et si je clique là-dessus, ça me dit quoi? Le courant est coupé. Et ça montre ça. Comment on rétablit le courant du casino? Qu'est-ce que j'ai vu? Mais je vois pas en fait, parce que c'est pas une machine à jeu qui va m'aider à rétablir le courant. Si. J'utilise ça parce que j'y vois plus clair, hein. Vous aurez compris. Là, là, là. Y'a que des machines à change dans ce casino à la con, là. Machine à change, et en haut. J'ai raté un truc ici, là, genre là. Et oui. Superbe, je suis vraiment une championne. Je suis vraiment la meilleure. Alors, je suis désolée, les amis. On a perdu 40 minutes, mais c'est pas grave. Vous êtes bien amusés dans le chat. Malheureusement, la rosée, ça va être un petit peu plus ennuyant. Donc, je vais me prendre une note de vous mettre une annotation. C'est un bateau de croisière. Ils ont tous des casinos. Ok, superbe. Et là, c'est là que les poissons vont devenir méchants. Voilà. Oh, merde, il est infecté. Attention. Waouh. Et ça vit sous l'eau, ces merdes. J'ai vu ça dans la vidéo. Un cadeau de notre ami. Ok, par contre, c'est pas très résistant. Alors, merci. Ok. Et moi, je me mets pas la main dans l'eau pour aller chercher le truc, hein. Je dis ça, mais je dis rien. Hein. Pourquoi t'arrives pas à les tuer? Moi, j'ai plus de balles, il va me sauter dessus. Ok, le fusil de Parker, il est vraiment faible, hein. Ok. Pourquoi ça fait ting? Ça s'est enfin calmé un peu. Et là, je dois appuyer sur le bouton? Jill, regarde. J'ai vu quelque chose. Où ça? Inutile d'appuyer là-dessus à nouveau. Et il me dit qu'il a vu quelque chose, lui. Ah oui, là. D'accord, lui, il avait mangé le truc. Un jeton. Et jeton fait combien de grammes? Ok, donc... Pikachu. Pikachu. Donc, un autre don de Ange Noir qui dit pour toi, Duenola, j'espère que tu ne m'en veux pas, désolé, cœur. Donc, merci à toi. Attends, comment je fais? What? Oh, tu veux un autre jeton? What? Mais je peux rien faire. J'ai que 7 grammes. Ouais. D'accord, je peux pas rien mettre d'autre. Il me manque des jetons, c'est ça? Et là, ils sont où ces jetons? Ils sont dans cette pièce, assurément, non? Est-ce que je dois jouer à la machine à sous, genre la seule qui est illuminée? Alors, je peux avoir plus de jetons avec ça? J'aimerais avoir la même chez moi. Jeton est serré. Ah ouais, cool, je joue machine à sous. On vient de dépasser les 100 abonnés, donc merci à vous. Ah oui, c'était quoi la chance qu'on gagne? On a eu un paquet de jetons, superbe. Donc merci à vous de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous êtes les plus meilleurs. Ta-da-da! Oui, je l'ai enfin réussi. Ok, donc là, faut compter. Moi, j'aime pas compter. Laura, compte pour moi. Oups. 111. Moi je fais n'importe quoi jusqu'à ce que je tombe dessus. Parce que j'ai pas envie de calculer. Bon allez, on n'a pas le choix. On va enlever tout. On va compter un petit peu. Ok, ça, ça donne 17. Ça, ça donne 9. Et ça, ça donne 7. Oh mais quel chiffre débile. On va mettre le plus de ça possible. Et il faut aller à combien? À 107? Non. 101? Non, on peut pas. 103, on peut pas. Ah, je suis à 106. Donc oui, j'y vais complètement aléatoire. Tant qu'à s'emmerder. 7. Non. On va mettre le plus de ça possible. Sans... Non, mais pas ça. Ça. Là, on est à 90.
Et lui fait 17. Voilà! Ouais, je suis trop fort! J'ai aussi à compter! Ok, donc cette salle VIP, j'espère qu'elle va me servir au final. Hein. Miss va finir le live à jouer. Ouais, on va jouer partout. Donc coucou à ceux qui rejoignent le live, même si c'est la fin bientôt. Mon cher ami, c'est bientôt la fin pour moi et la fin du live. Je suis désolée, mais je dois continuer seule. Ils dorment, mais ils vont bientôt se réveiller. C'est le moment ou jamais. J'en ai la chair de poule rien que d'y penser. Ils n'ont rien d'humain, ces corps monstrueux, cette puanteur d'organes pourris, ces cris qui viennent de l'enfer, c'est si effroyable que je ne peux m'empêcher de trembler alors même que j'écris ces lignes. Faites attention, ces cloques ballonnées accrochées au mur servent d'œufs. Ils peuvent se régénérer grâce à elles. Surtout, ne pensez pas que je vous abandonne, je le fais pour ma famille et je prierai pour vous. Bon, encore quelqu'un du bateau qui a pris la fuite. Ça peut se comprendre, hein. Ça peut très très bien se comprendre. Ah, il y a ça! Superbe! Putain, c'est... Ah oui! Moi, je vais pas par là, par cœur. Parce qu'à ce qui paraît, je peux me couper. Putain. Oh non, c'est ça qui parle, là, les jardins. C'est super élégant. C'est vraiment l'élégance à l'état pur. Voir la chance de la nana, elle joue au loto demain. Ouais, je vais jouer au loto demain. Parce que vous avez vu, j'ai gagné tout plein de jetons comme ça, au calme. Ok. Voilà l'ascenseur. J'espère qu'il fonctionne encore. L'ascenseur, t'espères qu'il fonctionne encore. Ouais. Mais sans doute, hein. Sinon, c'est pas grave, on va encore passer une heure à tourner en rond. Aucune réponse. Ouais, attends, il y avait le générateur là en plus. Ok, tu t'en occupes et tu te défends, c'est ça? Oh non, la clé a disparu. C'est de ta faute. Je vais la chercher. Ok, je vais regarder par là pour voir si je la trouve. Oui, bien sûr, laisse-moi tout seul. Appelle-moi si tu la trouves. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas séparés. Cherchez la clé de l'ascenseur. Superbe, je suis dans un état extrêmement rassuré de me retrouver toute seule au monde, perdue, sans amis. Par cœur, c'est le pire des cons. C'est évident qu'on laisse pas une femelle tout seule. Ah, le mécanisme. Au moins, ça va, ça, c'est pas trop dur. On continue. Ok. Ah ouais, d'accord. Ça a l'air un petit peu plus chaud que tout à l'heure. Ici... Non, là, ça va se croiser. On va... Comme ça... Comme ça et comme ça. Yeah, trop fort. Ouais, superbe. Un ascenseur. C'est la joie joyeuse. Nous, on aime ça, les ascenseurs. Bon, on va attendre d'avoir une petite sauvegarde et on va s'arrêter là. Donc, il faut que je cherche la clé, mais ils savent exactement où ce qu'elle est. Ah, et là, on est de retour où ce que je voulais aller. Raymond a pas dit que sa partenaire était dans la cale? Ça veut dire que c'est cette Rachel ou un truc comme ça qui a la clé. On doit la trouver. Ok. Je crois que j'ai une idée d'où elle peut être. Le cadavre que t'as vu tout à l'heure? Ouais, j'espère que c'était pas elle. Ok les amis, donc nous allons nous arrêter ici pour ce live. Donc je suis désolée pour cette deuxième partie complètement nulle. On va se reprendre la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine à 20h toujours, où nous allons sans doute devoir battre Rachel, la blonde bizarre. Donc merci à vous d'avoir été là. Merci de m'avoir soutenu, merci de vous être amusé dans le chat. Et pour les gens de la rediff, merci à vous aussi. Je vous promets que la semaine prochaine, ça sera mieux. Alors sur ce... Ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous.